Bon, ben, salut tout le monde. Il est présentement 19h11. On était dans le coin pour voir les montgolfières, mais là, j'avais marqué que les montgolfières allaient décoller. Finalement, ils ont tout été annulés parce qu'il y a des cellules d'orage qui se sont développées dans le coin de Venise, en Québec. Là, je suis présentement à Saint-Alexandre. Puis là, ça remonte vers nous. Là, avant que je parte le live, là, la structure était super belle, mais là... Il a fallu qu'on se trouve un spot puis que je parte mes affaires. Donc ça se dirige vers Saint-Jean. Saint-Jean, là en ce moment, ça tombe à Notre-Dame de State Bridge. Ça s'en va vers Saint-Alexandre d'Iberville. Peut-être Fernand va être touché. Saint-Sébastien est touché aussi. Ouais, ça s'en vient vers Iberville. Dans le fond, ça remonte vers le nord. Donc, aujourd'hui, c'est spécial. Les orages hier, ils descendaient. Aujourd'hui, ils remontent. On dirait qu'il y a quelque chose en avant. Ici, là. Toi, tu sais, on dirait comme un entonnoir. Hein? C'est faible. En tout cas, on a la structure en avant qui... Oh, il y a du vent là-dedans. Le vent se lève. À côté, ça doit être quoi? Ça va-tu tomber à Montréal? Je penserais pas pour le moment, mais là, il y a une petite cellule qui vient de lever dans le coin de Saint-Antoine sur le Richelieu. Ça s'en va vers... ça passe au nord de Calixa-la-Vallée. Ça, les montgolfières ont été annulées v'là une demi-heure à cause des conditions atmosphériques. C'était dommage parce que c'était bien parti. Là, puis ça s'est mis à lever assez rapidement. Donc, probablement que ça allait lever au-dessus du lac Champlain. Puis là, il fait tellement chaud avec l'humidité et tout, ben c'est des orages de masse d'air. Fait que... Il reste à voir si on va avoir des éclairs là-dedans. Ça, en ce moment, sur le radar, c'est rouge. Ici, on était à 27,1 degrés. Puis, on a un point de rosée à 23. Puis là, on voit le vent là, se lève. Signe encore une fois que l'orage est à haute flow. Donc, on devrait pas avoir de tornade ce soir. Mais on sait jamais, vu qu'au Québec, on a des tornades sur des averses de pluie. Tantôt, vent qui tournait en rage et pluie à Stanbridge Station. Ouais, ben c'est ça, là, c'est en train de passer là en ce moment. Mais on voit que les journées raccourcissent, hein? Il est déjà 7h15 puis il commence déjà à faire plus sombre dans le champ. Là-bas, il y a plein de nuages. Ouais, mais il fait plus noir pareil. Le soleil se couche bientôt. Ouais, il se couche à 8h20, je crois, ou 26. Là. Ça fait une différence que, comparé à 8h45. Y a-t-il de possibilités de grêle? Ben, toujours, là, mais je pense pas qu'on va se ramasser avec de la grosse grêle.
je vais à la maison. Ouais, mais on est sur. C'est quoi? On est sur la 227. Sur la 227 à côté de la 35 à Saint-Alexandre. C'est quoi outflow? Outflow, ça veut dire que la rage dégage, se dégonfle et non se gonfle d'énergie. Ouais, il y a de la... Hein, l'apocalypse à Cowansville? Ah ouais, on voit une petite tache sur le radar. Ah, vois-tu, il y a deux cellules qui viennent d'élever. Là, on a une cellule en avant de nous, puis on a une cellule à droite. Oh! Celle-là a de l'air de quoi à côté? Es-tu plus belle? Il y a comme deux cellules. On va traverser l'autre bord. Hein. C'est là, elle s'en va sur Saint-Blaise, sur le Richelieu. Qu'est-ce que vous voyez en avant, là, ça s'en va vers Saint-Blaise. Ouais, si je me trompe pas, il y a un petit, j'ai un petit spot en bas. De maïs de je sais pas trop quelle grosseur. Ouais. Une comparaison d'un arrache outflow. C'est comme un bon repas de bine tard du soir. Quelque chose. Arrache en vue pour Saint-Jean. Ouais, Martine, des petites cellules qui est présentement à Notre-Dame de Stanbridge, Saint-Alexandre, puis une autre petite cellule qui s'en va vers Saint-Blaise. Le tout remonte vers Saint-Jean. Donc, on le voit vraiment, la démonstration, là, que si jamais les montgolfières ont décollé pareil, ben, l'orage et outflow, elle dégage des vents descendants. Puis ça, ben, c'est très dangereux pour les montgolfières. Donc, ils ont pris une bonne décision de pas décoller. The
savoir le prochain update. Bonne question, Yannick. Quelle orage qui s'est pas dégonflé cette année? Trois cellules de même à Saint-Jean, si ça tombe les trois à la même place, faut-tu s'attendre à ce que je pète? Que ça pète sur un temps? Non, la seule affaire qui pourrait arriver, si jamais les cellules se rencontraient toute la gang, soit que ça va donner, ben, ça va donner un orage bien normal, tu sais, ça a updaté. Ouais, c'est de la plus forte. Il n'y a pas vraiment de temps violent là-dedans. Mais non, la seule affaire qui pourrait se produire, c'est que ça chie toute la gang parce qu'ils vont tous se rentrer dedans et ils vont tous se dégonfler. Là. Surtout que là, encore une fois, ben, c'est des cellules d'orage de fin de journée qui se sont créées par eux-mêmes avec la chaleur puis l'humidité. Puis là, ben ça s'est développé au-dessus du lac Champlain. Donc, bon, elle est plus à la rive. On va se déplacer. Oh, et quand elle a l'air d'avoir de quoi de beau en arrière. Ouais. Il y a du bon vent là-dedans. Ouais. Oh, regarde, on voit, il y a des bonnes rafales de vent là-dedans. Hein. Sur quoi t'as vu qu'il y avait un éclair? J'ai vu. Ah, tu l'as vu avec tes yeux? Ça l'a flashé dans le nuage. C'est-tu possible qu'un orage se développe sur le fleuve? Ben ouais, encore une fois, c'est l'humidité. Un orage pour se développer a besoin d'humidité puis de soulèvement. Fait là, comme aujourd'hui, c'est humide, il fait chaud, ben tout plan d'eau va aider à l'évaporation et à former un orage. Quand c'est pas l'eau, ben c'est les montagnes. Comme hier, c'est le soulèvement. La montagne a fait comme un effet de soulèvement. Elle remonte de l'air froid en altitude. Puis avec l'air chaud, ben là, ça fait un mélange des deux. Puis ça développe des cellules orageuses. Puis ça arrive à certaines fois que l'orage va continuer sa route comme hier. Hier, ça a sorti des montagnes, ça arrive nord. Puis ça continue sa partie de soirée, ça donne du contre-cœur. On a réussi à l'intercepter. Puis après ça, ben elle, aussitôt qu'elle a plus d'énergie, elle se dégonfle d'une shot. Hein. On voit l'effet de soulèvement en arrière. En arrière. Et on voit la plus forte qui s'en vient. Oups, les oiseaux sont sur la panique. Je sais pas, ils se promènent. Partout. Ça c'est brillant, ça c'est brillant, on vient de voir ça live. Une BMW verte qui vient de couper un Dodge Ram blanc sur une ligne double sur un viaduc. Ça là, puis après ça on se demande pourquoi il y a des accidents. Hey, on le voit vraiment, vous venez de le voir live. Vous venez de le voir live.
Ouais. Faut que j'y vais avant sur. C'est quand même. Là, il y a beaucoup de vent parce que là, avec l'air froid que la pluie dégage, ben là, ça fait une réaction, puis là, ben là, ça tombe fort. Saint-Sébastien, Saint-Alexandre, ça va pas être bien au temps.
le ciel est très très beau. On va repartir vers là-bas, puis on va retourner à la rue. Il y a une route qu'on avait vue à gauche. Là, on est rendu à 21 degrés. On a une autre petite cellule qui est au nord de Cowansville, qui est rendue à Bréham. Donc, qui est au sud de la frontière, ça a l'air de quoi? On est plus sur. Quand t'attends pas qu'il annonce la pluie aujourd'hui. C'est le vent, c'est Eugène. On veut une tornade. Je pense pas que ça va être à fond. Sur le radar pour le moment, il n'y a toujours pas de grève.
mascotte avec nous autres ce soir. Elle s'appelle Choupi. Elle est blanche et noire. Et oui, c'est un chien. Ou une chienne. C'est plus une chienne. Oh, on voit le soleil. Peut-être qu'on voit le soleil. À travers les nuages là-bas. Vous voyez sur la GoPro, là, à notre droite, on voit un rond rouge dans les nuages. On voit le coucher de soleil. Peut-être toucher Montréal, c'est qu'est-ce qu'on a en ce moment. Si, parce que la direction que ça prend, ça s'en va sur Montréal. Est-ce que ça va toffer jusqu'à Montréal? Là est la question.
Là, on est présentement sur la 133 direction Saint-Jean. Personnellement. Je ne l'ai pas senti encore. Nous sommes à côté de la ferme. La ferme Reed. C'est pas un Reed là. Non. Ah, ici aussi, le vent se lève. On est à 22 degrés. Ici, je sais pas si ça va faire tomber l'humidité. Ben, l'humidité, pas l'humidité, parce que c'est sûr que l'humidité va rester là. Mais je veux dire, plus... On va passer à sa brevoie. Exactement à Daniel sur 133. À notre dépasser le tout. On va probablement avoir peut-être une structure. Ben, on voit une structure à gauche. Espérons l'avoir avant que ça se mord. Problème de lumière.
rebonjour tout le monde. La GoPro fucky comme d'habitude. Donc là on est rendu sur la 35 Nord. Puis là je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a un paquet de chars de police qui viennent de partir. Ils en partent sur l'autoroute. Là, qu'est-ce qu'il y avait de l'orage peut-être dedans? Là, il est rendu sur Saint-Jean. Mais là, ça a l'air d'être pas mal de la pluie forte. Ça a l'air affaiblir. Le plus fort est quand même en avant de nous, à gauche. La vidéo elle a arrêté, là, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Là, la GoPro a décidé que ça y tentait plus. Donc, nous, on va continuer sur la 35. On va sortir, on va prendre la 104. Valtrie mouille. C'était Sophie Dion qui est passée à côté. Ouais, c'est ce que je viens de voir. Le tout blanche. Ah, ok. C'est nous, tu pars juste à côté de chez nous. Là. Non, c'est pas elle. Là. Donc, on va sortir. C'est pas celle-là, ça va être l'autre. Saint-Luc la Prairie. On va sortir là. Ça se peut qu'il y ait d'autres choses qui lèvent aussi un petit peu plus tard. Là, on est quand même dans la masse d'air chaud comme hier. T'sais, hier, il y a eu des orages à peu près jusqu'à. Bon, un autre qui roule à haute vitesse. Les dangereux de la route. Qu'en avant, il y a un petit peu de stabilité qui va peut-être donner quelque chose. Nous, c'est plus. Le gars, il roule à haute vitesse puis il arrive à la lumière en même temps que nous autres. Qu'est-ce que t'as à l'envers? Là, ça existe encore, les calottes à l'envers. On dirait. Yo! Saint-Luc qui mouille, mais le vent est là. Ouais, ben c'est ça, il y a des bonnes rafales de vent. Derrière Saint-Anne, Saint-Raymond, Portneuf, il manque de l'eau. Ouais, mais il manque de l'eau à Montréal aussi. Là. Il y a juste à Saint-Jean là, qu'il y a eu un peu d'eau dans les champs. La Valterie. Ouais, présentement à Saint-Jean, ouais, c'est ça, là, ça tombe. Là. Nous, on est sur la 104, on va aller dans le champ sur la 104, là on va pouvoir voir ça passer devant nous, mais ça s'affaiblit, mais on sait jamais, là. Hier c'est ça que ça a fait, là. Ça a affaibli, puis pouf, ça s'est mis à reprendre l'énergie, il y a eu de la grêle qui a apparu dedans, puis on a eu quand même des bonnes éclairs. Ouais, ben c'est ça, là, mais il y en a qui comprennent pas ça. Là, c'est souvent ça, là, la personne passe à côté de toi à très haute vitesse, puis on arrive à la lumière en même temps. T'sais, c'est. Mais t'as beau expliquer, mais. T'as changé rien. Avant les rivières.
Ouais, ben, ça, il manque pas mal d'eau un peu partout, là. On la regarde, tantôt, j'ai, ben, tantôt. Après-midi ou à matin, j'ai vu un endroit, la rivière au Brochet. Je m'en rappelle plus c'est où. En tout cas, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien, là. Tu peux marcher dans la rivière. Il n'y a plus de brochets. C'est ça. Les brochets, ils marchent sur deux pattes, là. Mais je m'en rappelle plus c'est où. Ah, je pense que c'est la rivière du... Ouais, je pense que c'est la rivière du Loup. Il y a une rivière au Brochet dans ce coin-là, là, puis il n'y a plus d'eau. Puis quand je dis plus d'eau, là, il n'y a plus d'eau, là, tu vois. C'est comme s'il y avait juste des flaques. Il y a une crotte. C'est ça, une crotte au chapeau. Et il y a une face. Il y a un chapeau. Granby, en Estrie, il y a un temps lourd, ça sent vraiment la pluie. Ouais, ben il y a quelque chose tantôt qui était dans le coin de Cowansville. Il y a la police. Là, ça s'en va vers l'Ange Gardien, Saint-Césaire. Ouais, il y a des soucoupes volantes. Vous allez peut-être avoir une petite douche. Hein? Il y avait des soucoupes volantes à terre. Regarde-moi un peu. Ah, c'est la bagueule. Ah, presque un peu. Ah, moi, j'ai fait... Mathis, je suis... Ben, dans le fond, je suis pompier bénévole. Ah, c'est pompier avec l'APAM. L'association des pompiers auxiliaires de la Montérégie. Puis c'est ça, dans le fond, des bénévoles, quand il y a des gros feux, ben on est appelés. C'est quoi t'as dit, papa? Fait que. Fait qu'on est en support avec aux pompiers, aux sinistrés, policiers, ambulanciers. Même les gars d'hydro des fois. Donc, c'est vraiment bénévole. Quand j'étais à Kazan puis je passe la fin de semaine-là, ben, tout est bénévole, là. Je suis pas payé pour ça, non. Fait que c'est pour ça qu'on fait des collectes de fonds pour amoncer de l'argent pour ça, là. C'était pas prévu la plus forte. Non, ben, il y avait un petit 30%. Puis, ben, le 30%, il est là. Moi, je cours souvent après les 30% de risque d'avertissement. C'est pour ça que moi, je suis toujours dans la pluie. Parce que le 30%, c'est vraiment ça. Tu sais, il y avait 30% que ça arrive. Ça arrivait à quelques endroits, mais il y a bien des endroits aussi qu'il n'y aurait rien partout. Là, la grosse, grosse pluie là, est à notre gauche. En arrière qui lève. Le ciel est beau devant toi. Mais le soleil aussi était beau. Hein? Ouais. Ah, des petites cellules d'orage qui se sont formées. Pour le moment, on parle de rien de violent, là. C'est vraiment la plus forte. Peut-être avec quelques éclairs. Pour le moment, il n'y en a pas. Tantôt, on en a vu. On en a vu une. Ralentissement. On peut tourner à gauche aussi.
Ok, parfait. À côté de l'hôpital à Saint-Jean, petite pluie. Ouais, ben le gros de la pluie, là, il passe. Passe près de Mont-Saint-Grégoire. Puis l'Acadie. Mais quelque chose d'un petit peu plus fort dans le coin de Farnham. Chambly, Mathieu, penses-tu que nous allons avoir des chances? Ouais, il est possible. Que le ciel était pas mal noir à Chambly, mais arrivé même le début d'entonnoir. Ouais, ben ça, là, c'est des nuages qui tournent en avant de la cellule à cause du changement d'air. C'est long, les lumières, ici. C'est ton état, ah, 26. Ah, c'est normal, ouais. Alexis. Non, toi, c'est ton téléphone sur moi qui vit. Ouais, ben nous on utilise Radarscope. Donc on voit le positionnement des orages. Qui s'en vient avant. Qui lève en arrière de Saint-Brigitte-d'Iberville. Ça a l'air à vouloir devenir rouge sur le radar.
dit qu'il y aurait peut-être un entonnoir dans le coin de Marieville. Là. J'ai dit qu'il y avait quelqu'un qui me dit qu'il y aurait un visuel sur un possible entonnoir dans le coin de Marieville. Vas-tu avoir de la clé pour un site à Montréal? Ça a coupé, j'ai pas compris ce que tu as dit. Présentement, on est sur le chemin du clocher à l'Acadie en direction de Saint-Jean. Continuer à suivre ça, puis on va essayer de dépogner la cellule qui aurait peut-être un entonnoir dessus. Donc on va revenir en live un petit peu plus tard.
le déluge, ça. Ben, les déluges s'en viennent. Je le vois après les lumières. Là. C'est drôle parce qu'ils vont dire qu'il mouille super fort là-bas. Il mouille super fort là-bas. Puis ici, on a rien. Ah ben ça, le rideau de pluie, il est droit en avant, puis on le voyait en tabarouette. Bonjour tout le monde, nous sommes présentement près de l'autoroute 10 à côté de Horizon Lucier, les campers. On a été intercepté la cellule qui remontait. Là-dedans, encore une fois, là, la forte pluie. On n'a pas eu d'éclair encore. On avait une belle structure qu'on voyait moins. Il commence à faire noir. Fait que on nous rapportait qu'il y avait du monde qui avait vu un entonnoir dans la cellule qu'on a présentement. On est dans le coin de Marieville. C'est le soir. Ouais, ben on est. Ouais, il fait noir. Là, la cellule nous passe direct dessus. On est à côté de Horizon Lucier, là, les motorisés. Ça tombe, on est à 23 degrés.
Sur le radar, c'est rouge. C'est comme ça il y a 30 minutes. Ça a été cancellé la dernière minute à cause de ça. Hein? Ça va être ça encore la semaine prochaine. Oui, ben on devrait avoir de la chaleur encore là, pour un bout là. Je se demandais ce qui se passait. Parce que t'as mis un ouais, ah, on voit la lune. pas game de mettre tes lumières hautes pis de prendre ta douche devant ton char. Ouais. On est rendu à 22. Quelqu'un qui nous filme à gauche. M'arrivé. Je suis en avant des roulottes. Ok, c'est toi qui es stationné. Hein? Put. Une bonne place, mais bon. Ça a l'air de se calmer un peu. Ça arrête d'un coup sec. On voit la lune, mais on la voit pas sur la GoPro. Donc, on va voir le update du radar. Si vous êtes dans le coin et que vous voulez voir la lune, là, elle est vraiment magnifique. Là, avec l'effet de nuage devant. Là. Non, Sophie, elle dure pas longtemps, elle se déplace tranquillement. Là, on attend le update. Non, ça s'en va vers Chambly. Il reste juste ça. Hein? Mm. Ouais, il reste juste ça. Là, on va décoller, on va s'en aller vers Marieville, on s'en aller vers... Mon char a eu sa petite douche.
ça qu'ils font tout là. Ah, oh, il y a un stop à faire ça. Accident majeur. Déluge à Marieville, là. C'est un peu comme hier, on a cette cellule-là, mais elle nous a pas donné de foot encore. Elle s'en va vers le Richelieu-Chambly. Fait que si vous êtes sur une terrasse à Chambly, vous allez peut-être avoir une douche. Mais ça dure pas longtemps. Oh, la belle Porsche. Une voiture idéale pour la chasse. Pour Tornade. Ça s'est en ligne, ma blonde.
Dunkin Donut. Au Dunkin Donut. Ça existe encore un Dunkin. Ça doit être Tim Martin. Dunkin Donut, attends. Oh, ici il y a du vent. Oh, on a le Seigneur. Ouais, très forte rafale de vent sur la 112. Ça, il devrait pas avoir de problème. Non, c'est moi, ouais. Ah, c'est ça, tu avais vu à matin. Un petit aller-retour, il y a du tout, mais on va. Ah, ouais, l'argent, on l'aurait fait. Peut-être frôler Chambly finalement. Ça va peut-être plus s'en aller vers Saint-Mathias. Mais il y a du vent. Merci de nous avoir suivis. Puis bonne soirée à tous.